Ça marche. Bon matin tout le monde. J'espère que ça va bien. Bienvenue à notre vendredi Total Look. Ce matin, notre thème est la cuirette. Mais pour ceux que ça fait peur, je vous conseille d'écouter notre vidéo parce que c'est un item de cuirette dans chacun de nos kits qu'on vous présente. Chaque kit qu'on vous présente pourrait être aussi avec un item de jeans ou de pantalon un peu plus chic. On vous a amené l'élément de cuirette parce que c'est le retour qui est vraiment très fort de la cuirette cette saison. Et puis, ils sont plus extensibles, plus confortables. Avant, on avait très, très chaud dans les cuirettes. C'est pas du tout cette sensation-là maintenant dans les nouvelles cuirettes. C'est hyper agréable. Puis, ça fait un look, le fun est différent. Alors, voici mon premier kit. J'ai été dans le pantalon de cuirette quand même assez ajusté dans les tons de beige. Et puis, je suis venue le marier avec vraiment quelque chose de surdimensionné parce que le vraiment ajusté, c'est certain que vous pouvez le porter avec du plus ajusté en haut. Moi, je préfère le porter avec du plus oversize qui donne un look un peu plus décontracté. Alors, mon chandail qui est un gros coup de cœur aussi pour nous, oversize comme ça, en grosse laine pas piquante. Je suis venue mettre, je pourrais peut-être même vous enlever ce chandail-là pour vous montrer ce chemisier-là qui est intéressant aussi. Merci. Dans le blanc, chemisier qu'on peut porter tellement facilement avec plein de choses. Donc, voici. Donc, mon élément de cuirette dans mon kit et mon pantalon que j'aurais pu venir mettre avec un veston un peu oversize, un escarpin. Vous pouvez le travailler de plein de différentes façons. Donc, aujourd'hui, on vous met des pantalons, des jupes, des robes, des manteaux. On est venu vraiment vous chercher des éléments différents. Et puis, à la fin du vidéo, cette semaine, on vous a fait un mercredi express. Et il y a eu une robe qui a vraiment été très, très populaire et aimée. On a eu des nouvelles couleurs. Et chacune des filles, on vous présente des nouvelles couleurs. Ça fait que ça vaut la peine d'attendre jusqu'à la fin du vidéo. Michel est prête avec son item de cuirette. Bonjour tout le monde. Alors, cette semaine, on a vu que l'automne était vraiment, vraiment arrivé. Donc, c'est le temps de porter exactement cet item de cuirette qui est super agréable. Moi, c'est comme un jog pan avec un cordon. Il est quand même ajusté, mais super confortable. Et je le porte avec une botte, donc vous pouvez le rouler par-dessus votre botte. J'ai choisi, moi aussi, de le porter avec un tricot. Moi, j'ai mis un foulard parce que j'aime bien aller prendre des marches. Regardez l'élément, comment ça fait le fun. Il y a des gens, vous pouvez le porter avec des choses ajustées si vous voulez mettre plus chic avec un chemisier. Mais là, je vous ai montré vraiment un look comme en fin de semaine, là, pour aller voir les feuilles. Ça, je pense que ça serait très, très gagnant. Et regardez les couleurs. Mis du noir, mélangé avec des vieux roses un peu, ça fait très chaleureux. Alors, l'élément de cuirette de Nadia. Allô tout le monde, bon vendredi. Alors moi aussi j'ai un pantalon de cuirette noire, plus ajusté, par contre un petit peu plus bouffant ici avec les plis. Il est taille haute, mais pas très très taille haute, donc quelqu'un qui n'aime pas ça l'avoir trop au-dessus du nombril, ça pourrait être un bon modèle. J'aurais pu même le mettre un peu plus sur mes hanches, mais étant donné que je le porte avec un top plus court, donc je l'ai monté au maximum. Juste vous faire remarquer que mon pantalon est court. Souvent, on a le commentaire justement de « vous avez peur parce que les pantalons sont plus courts, mais regardez comment ça fait le fun avec la botte. » Quand ils sont plus longs, on va les rouler, mais celui-là, de l'avoir juste avec la botte, ça fait un super beau look. Je vous ai fait un style plus chic avec mon pantalon, contrairement aux deux autres filles avant avec les gros pulls. Donc, c'est vraiment un élément qui se porte très habillé ou très sport, le cuirette. Fait qu'oser le mélanger, de faire différents looks avec ces morceaux-là, parce que ça ajoute du style aussi, la cuirette, ça fait fashion, puis il y a plein de manières de le porter. Donc, mon veston, je vais juste vous le montrer attaché, il est vraiment beau. J'ai hésité entre mettre ça en dessous ou mettre quelque chose de plus simple, puis de le porter ajusté, mais je voulais vous montrer quand même bien la coupe du pantalon. Alors, c'est tout. Chantal s'en vient avec son élément de cuirette. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. En plus, il fait beau aujourd'hui. Bon, mon élément de cuirette, ben moi, j'ai décidé de porter cette jupe-là parce que la jupe, comme vous voyez, c'est un modèle un petit peu plus classique avec les plis. Et j'ai voulu vous montrer qu'on peut faire un autre style. Donc, je l'ai cassé avec un gros tricot.
Comme vous voyez, le motif, je vais m'approcher un peu, c'est un pied de coq. Donc, c'est un peu plus, le motif est plus gros qu'un pied, un pied de poule. Donc, c'est ça. Puis, comme vous voyez, j'aurais pu mettre une blouse en dessous, faire plus classique, mais je vais vous montrer le look et le veston. Ça, c'est mon coup de cœur. Vraiment confortable. C'est la couleur un petit peu d'automne. C'est un fuchsia, mais d'automne, couleur automne-hiver. Donc, je trouve que ça casse un peu le look. Ça donne un style aussi. Ça fait un peu moins ton sur ton. Puis, regardez, il est quand même assez ample parce qu'on peut justement mettre un tricot en dessous, mais pas assez pour se perdre dedans. Donc, c'est vraiment, là, ça prend vraiment un thème de même dans la garde-robe pour accentuer un petit peu plus notre garde-robe plus du jour, là, de plus tendance. Donc, je vais quand même enlever mon veston, vous montrer un peu quand même le look. Je vais remonter un peu la manche, donc regardez, je vais tourner sur moi-même un peu, vous allez pouvoir voir. En passant, la jupe est plus longue, OK? Donc, j'ai triché, je l'ai tournée, vu que je ne suis pas grande, puis ça ne paraît pas avec les tricots, mais pour celles qui sont plus grandes, ça se porte. Donc, vraiment confortable les cuirettes. Oh, Alex, ça semble être une belle robe. Donc, je reviens. J'ai aimé le haut de Chantal, un look qui est vraiment, je vous dirais voyant, mais vraiment le fun, plus sexy. Robe de cuir comme ça, avec les poches, ceinturon à la taille. Donc, je suis venue vraiment la nouer. C'est vraiment une ceinture qu'on peut mettre plus clean, que je dirais, là. Je vais vous le montrer. Des robes comme ça, quand elles sont un petit peu plus chic, je trouve ça le fun de le défaire puis de le porter. Comme je l'avais noué, ça fait un petit peu moins officiel, ça donne un look plus décontracté. Là, ma ceinture est pliée, mais évidemment que j'aurais pu me le mettre comme ça. Vous savez, on le passe en dessous et on revient à l'intérieur de la look pour donner ce look-là. Des fois, vous pouvez venir le porter sur le côté pour ne pas mettre l'accent. Ceux qui ont des fois un petit ventre, de ne pas venir le mettre comme ça au centre. Venez le mettre même un peu en point qui fait un V. Alors, robe de cuirette, je voulais vous mettre quelque chose en dessous pour vous le montrer en manteau. Parce que déboutonné en manteau, magnifique. Là, j'ai rien en dessous, fait que je ne vous montrerai pas. Je fais un petit 360, mais un item qui fait vraiment deux choses. Trois choses. Veston, manteau et robe. Vraiment, vraiment très, très belle robe. Michel? Mon élément de cuirette. C'est un manteau qui est magnifique. Regardez les manches, comment il est superbe. Très, très important, moi je le dis tout le temps, d'avoir des manteaux que l'on peut enfiler par-dessus n'importe quoi. Moi, je déteste être obligée de me déshabiller à moitié pour mettre un veston ou un manteau. Alors, celui-là, il est vraiment confortable. Puis, regardez la couleur, comment c'est riche. C'est comme un beige, mais un petit peu vanillé. Ça fait super le fun. Là, je voulais mélanger avec un pantalon propre, pantalon taille très haute, large, que j'aurais pu mettre avec quelque chose de beaucoup plus habillé, mais j'ai choisi de le porter avec une blouse en jeans. Alors, je trouve que ça fait le fun. Je l'ai laissé ouverte pour donner un autre genre de look, mais j'aurais pu complètement la boutonner, pas de chandail en dessous, la rentrer à l'intérieur, mettre une ceinture, faire un nœud, comme vous voulez. Alors, vous avez vu comment on peut mélanger énormément les éléments pour vraiment changer notre look, des fois avec le même vêtement. Alors, Nadia est prête avec son élément. Moi, je l'ai faite rentrer avec rien en dessous, ma blouse. C'est une blouse aussi qui est un petit peu plus sport, un peu comme la blouse de Denis à Michel. Celle-là est en bébé cord qu'on appelle. C'est un corduroy qui est très, 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 très fin. Ça se voit même pas. C'est plutôt au toucher dans la texture qu'on le sait. Elle est kiwi avec un peu de... un petit détail de fleurs... noir dedans. Puis, je l'ai mis avec le jeans large déchiré et mon élément, mon coat surdimensionné en cuirette. Il n'est pas matelassé parce qu'il n'y a pas de doublure entre les coutures. De doublure entre les coutures. Oui, c'est ça, je le dis comme il faut. Mais il y a l'effet parce qu'il est tout surpiqué en losange comme une veste matelassée. Donc, j'adore ce manteau-là. Il est vraiment le fun. Puis juste faire un petit rappel, ça c'est une chemise overshirt aussi qui se porte très bien ouverte comme Michel a fait. Je ne sais pas si c'était clair qu'est-ce que je voulais dire au départ. Donc c'est ça, moi je l'ai mis comme ça en chemise rentrée à l'intérieur. Alors c'est un élément que j'adore ce manteau-là.
Il est quand même, il a quand même une doublure à l'intérieur, fait qu'il peut être porté avec un gros pull à l'extérieur à ce temps-ci sans problème. Puis il pourrait peut-être être porté aussi à l'intérieur avec quelque chose de plus léger cet hiver. Alors, notre belle Chantal est prête? OK. Oui. Parfait! De retour avec mon deuxième look. Bon, moi, c'est mon cuirette, qui c'est un veston. En passant, j'aime bien celle de Nadia, mais moi, j'ai un coup de cœur pour celle-là. Qu'est-ce qui est fun? En passant aussi, une autre affaire, c'est toujours en passant, moi. je voulais juste vous dire que quand on vous dit des petits trucs, c'est vraiment des essais qu'on a fait en magasin. Donc ça, je l'ai vraiment mis par-dessus une robe, là. C'est vraiment beau. Donc, autant que le jean, c'est un pantalon plus classique, t-shirt, je trouve, regardez le petit manteau, là. C'est un modèle qui est oversize, mais quand même pas trop large. Puis vu qu'il est plus court, donc ça écrase moins. La couleur. J'adore la couleur aussi, là. Donc là, je suis allée dans des couleurs un petit peu plus neutres. Donc, je vais vous montrer quand même mon petit débardeur en dessous. C'est une nouveauté qu'on vient d'avoir. Donc, le débardeur, vous pouvez le porter un peu plus par en arrière. Comme ça, le V, ça fait moins décolleté. Et par-dessus, une robe. Je l'ai mis hier. C'était vraiment beau. Tu dépasses la manche, là, puis rentrant dedans dans la ceinture. C'était vraiment, ça donnait un beau look. Puis surtout quand c'est une robe un peu plus classique, là, tout ça, ça donne un beau style en même temps. Donc, le jean, c'est le même que Nadia en passant. Moi, il est dans le noir. Je voulais juste quand même vous montrer qu'il y avait une autre couleur. Donc, moi, c'est tout. C'est pas tout, il te reste un rappel. Faut toujours qu'elle me le rappelle parce que j'oublie. Hey, moi, je pense que je suis le mouton noir de la gang. C'est quoi de dire? C'est quoi de dire? C'est vrai, je suis noire. Donc, Alex, ça s'en vient que l'autre vous quitte. Alors, item, le bomber ici. Regardez le détail de la manche, il est tellement beau ce manteau-là. Je suis venue mettre ça un petit peu plus chic avec une jupe à plis animal print léopard. Donc, j'ai aucun noir dans mon kit. C'est vraiment du kaki, du tan. Je suis venue rappeler le noir dans ma botte. Je voulais mettre quelque chose de vraiment très, très punché en dessous, blanc immaculé. C'est un chandail pour homme que je me suis mis en dessous, manche longue. Vous savez, on a un département pour homme des fois. Il faut faire preuve de créativité pour se faire un look qu'on veut vraiment. Donc, je suis allée me chercher manche longue, très stretch comme chandail. Je trouvais, parce que oui, j'avais des blouses blanches, t-shirts et tout ça, mais je voulais vraiment venir chercher la manche. Alors, voici ce manteau-là que j'adore. Je trouve qu'il fait vraiment un look différent et très, très classe. On peut venir le porter aussi fermé. Je vais vous montrer ce que ça dit. Voilà. Fait que, tu sais, ça peut faire le fun aussi. Alors, super intéressant. Je vous fais un petit tour comme ça. Donc, voici pour mon dernier kit. Coup de cœur pour moi. Je trouve que ça fait vraiment un look différent et très élégant. Michel est prête. Des nouvelles couleurs que j'adore. Les tons de beige. Et vous savez, en fin de semaine, on va aller voir les feuilles. On va peut-être en ramasser beaucoup aussi. Alors, pour aller voir, aller dans le nord ou me promener, moi, j'ai choisi une espèce de, on appelle ça une doudoune sans manche. Regardez les couleurs. Elle est d'un bleu canard et elle est agrémentée de beige. Là, mon élément que j'ai en cuirette sur moi, c'est un coup de cœur pour moi comme pantalon de cuirette. Regardez ça. Il est à taille très, très haute. On est super bien. J'aurais pu mettre une ceinture, quelque chose en dedans. La couleur, c'est un genre de... C'est pas tan, c'est peut-être un petit café au lait, deux, trois laits. Là. Je sais pas vraiment avec la couleur, là, un petit mocha. Et le chandail que j'ai assorti avec, il est super beau. Il y a des trous dedans. Et ça pique pas. On est très, très bien. Mais vous avez remarqué, je vais vous le montrer, j'ai un chandail en bambou en dessous. Avec des manches. Ça, vous savez, on en vend. Il y a des gens qui, des fois, ils sont plus inconfortables avec un tricot. Ça double bien, ça double même les trous. Puis ça fait quand même une protection sur votre peau si vous êtes un petit peu sensible avec les tricots. Celui-là, les bambous dans plusieurs couleurs. Alors, mon élément de cuirette dans une couleur formidable. Nadia est là. Alors, j'ai décidé de vous montrer une jupe qu'on adore tous avec la fente en avant, un peu plus long. Elle a vraiment un look super le fun avec la poche comme ça appliquée. Je l'ai agencée avec un coton ouaté.
Il est tellement doux ce chandail-là, je vous le dis, il est incroyablement confortable, il fait un super look avec la manche légèrement évasée qui est vraiment le fun. Puis je trouvais le mélange des deux que ça faisait un super beau style, ça me ressemblait, puis encore une fois, je voulais vous montrer de mélanger la cuirette autant avec du sport qu'avec du chic, un peu dans la thématique qu'on fait depuis ce matin, tout le monde. Alors, c'est ça. Là, j'ai rien mis en dessous, mais j'aurais très bien pu. J'ai failli mettre un chandail comme en dentelle noire en dessous ou même juste une camisole rentrée à l'intérieur. Superposer une blouse blanche aussi en dessous, sortir le collet, la faire dépasser pour un autre look, quelqu'un qui est moins à l'aise de porter le court. Mais ma jupe, elle est vraiment très taille haute, donc c'est facile d'agencer un chandail plus court avec cette belle jupe. Alors, je fais un petit 360 pour vous montrer la coupe de la jupe. Puis, on revient avec Chantal à leur dernier kit. Puis après ouais. Ça, je pense qu'on est rendu à vous montrer nos nouvelles couleurs de robe de tricot. Alors, attends. Bon, voici mon troisième look. Cuirette, pantalon. Qu'est-ce que j'aime de cela? Il est un petit peu différent de celle de Michel. Moi aussi, il est style jog jean. Par contre, il est fait un peu plus lousse. Mais gars, comme vous voyez, j'ai mis quand même un tricot un petit peu plus habillé. J'aurais pu mettre une blouse, faire plus chic. Mais j'adore ça. Puis c'est vrai que la cuirette, c'est tellement confortable, c'est stretch. C'est plus comme avant, comme on dirait dans notre temps. Donc, puis j'ai cassé, je suis en train de perdre la voix un matin, j'ai cassé avec une veste qui, vous savez que la tendance, les franches. Donc, c'est le retour des franches. Donc, la manche aussi, il y en a ici. La manche est large, elle est tournée, là, donc... Et voilà, comme ça. Donc, j'ai cassé avec un autre look, justement pour pas que ça fasse moins petit kit. Par contre, regardez, ça aurait été aussi beau, pareil, juste ton sur ton, là. Vous savez que ça revient aussi, donc les deux façons. Hein, regardez. Donc, le pantalon super confort, là. Je vais tourner moi aussi, je vais faire une Nadia de moi-même. Et voilà. Donc, Alex, je pense qu'elle est prête. Puis, oh, vous allez voir les belles couleurs, vraiment. À tantôt! De retour avec la robe que vous avez vraiment, vraiment eu gros coup de cœur. J'ai réussi à en avoir dans plein de couleurs, donc je suis vraiment contente. Elles sont toutes belles. On voulait toutes les mettre, chaque couleur. Donc, celle que je porte ce matin, elle est grise, celle-ci, avec l'élément de doré à l'avant. Je pense qu'on le voit quand même bien. Comme je vous avais dit mercredi, plus long à l'arrière qu'à l'avant. Vous pouvez aussi mettre un pantalon ajusté, la porter en chandail. Hyper intéressant. Donc, je pense que Michel est prête. Ça, c'est très drôle. Hein? Pour sauver du temps, elle a mis des stay-ups. Peut-être pas une bonne idée avec cette robe-là. Il faut vraiment mettre des collants plus haut. Fait qu'elle ne se tournera pas de côté. Mais la couleur est super belle en gris charcoal comme ça. C'est vraiment beau. Élément de doré aussi dans le devant. Mais vous voyez qu'en gris plus foncé, on voit vraiment plus le look du doré. Donc, ça peut être super intéressant. C'est confort, hein? Ça pique pas, là. C'est... Ouais, très confortable. Je veux pas que je me tourne. Non. Fait que va-t'en de côté. Nadia va venir. La robe de Nadia va ressembler beaucoup à celle de Michel, mais elle est plus dans les tons de chocolat. On l'appelle mocha. Nous, dans le site, on l'a mis... chocolat, mais attendez-vous pas à avoir un brun vraiment chocolat, là, c'est vraiment un gris-brun, oui, un peu ouais, effacé. Montre-la le dos, parce que dans le dos, il n'y a pas les prints d'argent ou d'or, donc vraiment uni, longue en arrière et doré à l'avant. Puis le doré paraît bien sur cette couleur. Oui, c'est ça, c'est le fun dans les couleurs plus foncées. Vous allez voir Chantal qui arrive dans 2 secondes. Oui. Thanks, Nad. OK. Bon, bye, tout le monde. Chantal, vous allez voir, c'est la noire et argent. Je vous l'avais juste montré comme ça. J'ai réussi à en avoir. Et voilà, désolée. Ah, elle avait ses boucles d'oreilles. Elle voulait vraiment être wow. C'est parce que j'ai oublié mes bottes de couleur. Je vais mettre une botte de couleur. Je vais remettre au moins mes boucles d'oreilles. Et ça, c'est un point intéressant qu'elle vient de dire. Quand vous avez une robe comme ça, on a une botte mauve dans le magasin. Ça aurait été super beau. Vous pouvez y aller dans la botte vert forêt. T'as plié ton col en deux. C'est comique. Puis moi, il est en trois. Oui. Donc, vous pouvez faire les deux. Je l'ai mis plus bas, elle l'a mis plus haut. C'est vraiment à votre choix. Si vous voulez les gros, gros cols, on peut aussi complètement... le remonter, ravaler. Le ravaler, ouais, exactement. Puis, je veux juste vous dire en passant, il ne serre pas trop. C'est pas comme un vrai col roulé, les petits chandails là, qui serrent ici. Donc, regardez, il y a un petit lousse. Donc, c'est merveilleux pour de vrai. Là, c'est vraiment, vraiment confortable. On le sent à peine, ce col-là. C'est ça qui est le fun.
Je félicite. Merci. Bye-bye, bonne journée. Merci tout le monde. Je voulais féliciter Nadia qui a couru à côté du téléphone pour venir l'éteindre. Donc, thanks, Nadia. Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite un super beau week-end. Toutes ces robes-là et ce qu'on a mis aujourd'hui sont online. Si vous ne le trouvez pas, appelez-nous. On va vous aider. Messenger au magasin. Donc, on est quand même assez facile à rejoindre et on est là pour vous aider. Passez un super beau week-end. On se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde.